si on veut relever le défi de la souveraineté alimentaire, il va falloir effectivement que de nouvelles générations de jeunes ou de moins jeunes rejoignent les métiers agricoles. Et d'autant plus qu'on voit on constate depuis plusieurs années effectivement une progression relativement importante de ce qu'on appelle les NIMA, les non issus du milieu agricole, et pour lesquels il y a un besoin d'accompagnement un peu plus important. Toute personne qui est intéressée, hommes, femmes, jeunes, moins jeunes, qui sont intéressés par le vivant, etc., ont toute leur place dans notre grande filière. Tout en sachant, et comme vous l'avez effectivement indiqué, il y a à peu près une centaine de métiers qui vont du niveau CAP jusqu'au niveau ingénieur. Il y en a pour tous les goûts, pour toutes les passions. Donc, l'éventail des possibilités est relativement large.